on se retrouve aujourd'hui avec le chaud là. On va se faire une petite session de pêche là sur une rivière. Donc voilà, il se fout à pleuvoir là. Mais bon, normalement ça devrait pas trop durer. Il y a un peu de vent, on va voir ce que ça donne là. On va pêcher, bon, je vais pêcher au verron comme d'habitude et Lucas au leurre. Donc voilà, suite à la vidéo à l'heure souple que j'avais fait avec Antenne, aujourd'hui on se retrouve avec Lou là. Donc voilà, on change de rivière, on va essayer de vous montrer un autre cadre pour changer un petit peu. Et donc on va aller voir ça et on vous montrera les prises. On y va? Allez, feu! Allez, en avant! Donc, c'est petit. Allez, premier fiche de la vague. J'ai plus d'être ou pas? Bon allez, du coup on se retrouve sur un autre parcours là. Il s'est arrêté de pleuvoir. On peut le voir et du coup il y a la vague qui monte le Vérol là et on va aller voir si on peut faire quelque chose. Si elles prennent pas avec ça quand même, elles sont difficiles. Poisson, elle y est. Ah ouais, bien joué, bien joué. Elle est petite, hein. Je l'ai en direct en plus. Poisson! Bien joué à vous, tu vois. Allez, ce troisième poisson de la journée. Voilà. Pas une chaud. En direct, celui-là. Ouais. Chaud les truites, du vingtaine, un peu tout. Ouais, petite vingtaine de centimètres, ça fait. Voilà, ouais. On va remettre ça à l'eau. On met ça à l'eau. Ouais. Elles sont jolies sur ce coin. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a de belles couleurs. Ouais. Allez. Voilà. C'est le cadre. Elle prend un fond de courant, même pour. Ouais, ouais. C'est incroyable. C'est comme on peut arriver au bout, on peut arriver dans le putain. Et là, il est tracé aussi. Plus on monte, plus il y a du poisson. Ouah, ça c'est autre chose ça. Ah non. Tu veux l'épuisette la vague quand même, hein? Tu prends là, on fait le doublé. Bon ben voilà, avec Lucho on pêchait deux trous différents et on vient de faire des doublés. D'ailleurs on a fait deux trucs en même temps. C'est joli doublé, voilà. Ouais, c'est rare. Une petite fario de Lucho. Sympathique, on la remet à l'eau. Allez. Hop. Voilà le trou d'en dessous, à force d'animer, j'avais fait sortir un peu plus gros ça. Je fais ouais 20 cm. Hein. Ouais, c'est une vingtaine quand même. Allez, on la remet à l'eau aussi. Allez, ciao ma belle. Attends, voilà, super ça. Ah yes, joli, je l'ai en direct. Hop là, eh ben. Eh, joli hôte.
lâcher ton. Ouais, j'ai vu, mais après, c'est toi, parce que ton verron est beaucoup remonté en fait. Mais tout quoi de fait, non, il était resté pas. Passons. Oh. Et c'est pas mal, ou? Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça. Voilà, joli poisson de Lucho Roller. Ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça, c'est un joli poisson. Ça, c'est un joli poisson, je suis super ouais. content. Pour le haut de la rivière, ça, c'est un poisson qui fait 24, ouais, pas loin de 26 cm, même. C'est un très joli poisson. Ouais, ouais. Belle robe, beaucoup et rouge, c'est quoi. Allez, on va mettre ça dessus. C'est joli. C'est joli, non? C'est joli, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli, yes. C'est joli, c'est joli. Oui, la Vega, il y est. Ça c'est joli, ça c'est joli. Il y est la Vega. Ça c'est bien. Oh putain, il est superbe. Ça c'est beau poisson ça. Oh, putain. Vu. Ça c'est très beau poisson ça. C'est très beau mal ça. Wow, ah ouais. Superbe. C'est très beau poisson ça, Lucho. Voilà, ben Lucho vient de faire ce sacré poisson. Très sacré poisson, hein. Très beau, très très beau mâle. Ça fait plaisir de faire des poissons comme ça. Donc voilà, on va mesurer ce poisson. Ouais, 33, 32. 32, 32 bien joué, 32 cm. Allez, on relâche ce joli poisson, je suis super content. C'est vraiment une pépite. Hein. C'est vraiment plaisir. Une pépite. We'll be right back.